Ta main, le corps. Ça va bien. Je remercie monsieur le ministre pour sa présence ici parce que aussitôt informé, il a dépêché une délégation ici et lui-même est là en personne avec ses collaborateurs. Et bon, on a quand même le grand bonheur de constater que, vous voyez, comme moi, qu'il n'y a plus d'inondation, ça veut dire que la solution a été trouvée. Mais il faut trouver une solution pérenne parce que nous ne voulons plus d'inondation dans ce tunnel. Alors, je voudrais remercier madame la présidente du Sénat, maire d'Abobo, pour l'accueil chaleureux qu'elle nous a réservé ce matin. Hier, comme elle a rappelé, nous étions tous surpris de voir que le tunnel qui a été ouvert provisoirement à la circulation, parce que c'est un ensemble, le projet, c'est pas que le tunnel. Il y a le tunnel, mais il y a aussi le théâtre qui se fait au-dessus, qui n'est pas terminé, mais pour une question de circulation à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations, il a plu à M. le Premier ministre donc, de venir ouvrir ce tunnel à la circulation. Vous savez, l'ennemi numéro un de la route, c'est l'eau. Donc quand on construit une route, on fait toujours le système d'assainissement, les caniveaux. Dans tous les quartiers, le président a investi beaucoup, beaucoup d'argent donc, pour construire ces voies-là. Mais si l'eau reste sur la route se dégrade. Et on constate que dans beaucoup de quartiers, nos populations jettent les ordures dans les caniveaux. Et ça, je pense que c'est le premier appel qu'on doit lancer. Il faut éviter de jeter les ordures donc, dans les caniveaux. Dans ce tunnel, ce qui nous a été donné de constater, c'est qu'il y avait énormément d'ordures à l'intérieur, donc dans le système donc, d'évacuation des eaux. Spécifiquement sur ce chantier, c'est une canalisation de 1,8 m de diamètre qui suit près d'un kilomètre, qui évacue les eaux qui tombent dans le tunnel. Donc c'est enterré, ça passe sous les maisons des gens. Si on jette les ordures, ça va aller donc dans ce tuyau-là de près d'un kilomètre. Évidemment, si ça se bouche, les eaux vont plus s'évacuer. Donc il faut faire extrêmement attention. Donc on rejoint madame donc le maire pour demander aux populations donc, d'éviter de jeter les ordures à l'intérieur du système donc, d'évacuation des eaux, comme nous a été donné de constater une grande quantité. Mais aussi je vous ai dit que c'est encore un chantier. Donc on travaille au-dessus parce qu'on a constaté plusieurs tonnes de sable qui sont donc qu'on a retrouvé sur le site. Certainement, on va rechercher encore les causes. Est-ce que c'est le chantier, ce sable là vient du chantier, ou bien c'est du sable qui est transporté par tout le sable, par toutes les eaux de ruissellement qui arrivent. On va encore faire quelques recherches. Mais vraiment, dans un premier temps, aujourd'hui, vous voyez que nous avons essayé de débarrasser tout le système de drainage du sable et des ordures qui étaient là. Les eaux sont aussitôt parties. Nous allons veiller et rechercher les causes parce qu'il ne faut pas que ce système, pas que ça se produise. Parce que hier, on aurait dû fermer le tunnel à la circulation. Parce que les véhicules qui passent dans l'eau allaient donc gâter la route. Donc comme on ne veut pas que la route se gâte, mais comme c'était la première fois, on va veiller à ce que le système donc, de drainage, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'ordure, jusqu'à ce qu'on trouve la solution définitive. Mais aujourd'hui, je peux vous rassurer que tout ça c'est derrière nous. On essaie de comprendre, mais la chose la plus importante pour rejoindre notre madame le maire, c'est de demander aux populations un peu de civisme, d'éviter donc de jeter les ordures dans tous les systèmes de caniveaux de drainage des eaux. Aussi bien dans le tunnel que sur l'ensemble des voies qui ont été réalisées, aussi bien à Bobo que dans l'ensemble de la ville de l'Abidjan. Merci. Merci beaucoup.